On va aller se commenter ça, je vais aller chercher la draft et puis on sera bon, ok? Alors, on a dit qu'on allait commenter Kasva contre Zoupi. Ce qui me paraît être, sur le papier en tout cas, une très très belle rencontre. Kasva contre Zoupi. La draft, elle est là. Let's go. Salut Roi Chakalaka, ça va? Du coup, hop là. Laissez-moi mettre mes binocles. Et on est bon. Binocles, putain, sont dégueulasses. Kasva, donc, site numéro 8, les amis. 2246. Contre un Zoupi, site numéro 9. 2223. Donc, autant vous dire que c'est très 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 serré. Un Kasva qui banne Mangrove Arena. Avec un Zoupi qui banne Xeroth. Kasva prend Arabia. Zoupi prend Sacred Springs. Et je crois que la dernière fois qu'on a vu Kasva sur cette map, ça s'était mal passé, si je dis pas de bêtises. Ensuite, Kadjemol qui sera banni par Kasva. Zoupi qui banne Fish and Fish. Zoupi qui banne également Dune du Pila. Et Kasva qui banne Atakama pour une première game sur Aguadona. Moi, je vote pour un FFA. Merci, tonton. Merci beaucoup pour Isoro. Merci beaucoup. Donc, des maps intéressantes. Hein. Guadona, une nouvelle fois. Encore et toujours, même, j'ai envie de dire. Arabia, Sacred Springs. Let's go. Derrière, ça banne chinois, ça banne Aztec. Ça prend Maya, Indien, Franc, Bulgare et Espagnol pour Kasva. Là où chez Zoupi, ça prend Japonais, Viking, Go, Malien et 1. Ok. Les Go auront été bannis. Là où les Bulgares auront été bannis. Je regarde les drafts, du coup, les drafts sont ok, hein, des deux côtés, hein, on a des très bonnes drafts. On a des bonnes cibles sur Arabia des deux côtés, des bonnes cibles sur Aguadona des deux côtés. Et sur Sacred Springs... Je pense que Go s'est fait sniper pour éviter peut-être d'avoir à les jouer sur Sacred Springs. Et Tanal pour les 10€, merci beaucoup jeune Tanal. Et salut, comment il va le streamer, pas ouf? Ouais, j'ai eu mon salaire. Merci beaucoup, Tanal, pour les 10€, merci beaucoup. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est bon. Hein. On part sur Aguadona, qu'est-ce qu'on peut estimer pour Aguadona? C'est étonnant ce pic espagnol chez Kasva, on l'avait pas encore vu dans une de ses drafts. On se demande bien pourquoi. J'aurais envie de penser indien hein, sur Aguadona, pour Kasva. Et côté Zoupi, je pense que japonais... Japonais ici peut être un must to have, you know. Puisque Viking aurait plus de sens, du coup, peut-être sur Arabia. On va voir ça, les amis. On va voir ça. Les gens kiffent Aguadona, c'est trop cool. Bah ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Non, c'est normal, t'as lunette. C'est normal, c'est normal. Et Obiflock, à ne pas confondre avec Obifiot. Pour le resub, merci beaucoup. C'est apprécié, ça. Merci, merci. Par contre, qu'est-ce que c'est que ces carvisouilles? Pourquoi j'ai une game... Un vrai plaisir de suivre tes commentaires. Pourquoi j'ai une game... ta lunette? Tu saurais me dire, du coup, vu que c'est toi qui m'as envoyé les records, qui s'appelle G2 partie 1. Une petite projection sur ce BO. Tu veux dire quoi par projection? Paris? Si c'est Paris, non, c'est du différé, donc bon, c'est compliqué quoi. Ta lunette, tu sais me dire pourquoi j'ai une game qui s'appelle Record Partie 2? Partie 1, pardon? J'ai vu ça, oui, je ne sais pas. Parce que en fait, il y avait 4 liens, je crois, mais. Attends. Il y a peut-être eu un drop. Il y en avait une en deux parties. Ah! Alors attendez. Ok. Alors attendez. Je commence à être plus fidèle à OGN qu'à ma femme. Encore une fois, magnifique boulot. Merci Nolitok. Je vais chercher la deuxième partie, comme ça ce sera fait. Tu
Tu veux que je regarde vite fait ce qu'ils ont fait? Mais ils ont envoyé 4 records enfin. Ouais, ouais, ils ont. Bah, c'est... En fait, je pensais que c'était une erreur. Mais du coup, bah, je suis en train de récupérer la deuxième partie. Par contre, envoie-moi des petits trucs mignons quand tu m'envoies les records, ta lunette. C'est un peu trop corporate et formel entre nous, là, j'ai l'impression. Genre un petit. Hey, salut BG, tiens les records, tu vois. Ça mange pas de pain, comme on dit. Hop, hop, hop. Un petit cœur et tout. Je te laisse t'exprimer comme tu le veux. Bon, les amis, on est bon. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus, c'est celle-là. Bon. J'attends juste votre signal et puis let's go. Hein. En vrai de vrai. Hein. Dites-moi juste quand vous êtes ready, les gens. Je suis mort. On peut sacrifier personne là, Eugène. Bah non, mec, mon bot est cassé, il m'écoute plus. Il écoute Poule Verte, mais moi, il m'écoute pas. Ok, bah écoutez, les amis, je pense qu'on est bon. Il est 21h tout rond. Ça me paraît être une belle heure pour commencer. Ok, on a le Verlet qui pop avant les games, c'est marrant. Et on y est. On y est les amis, Kasba va être en rouge, Zoupi va être en bleu. On est donc sur Aguadona une nouvelle fois pour cette première game. On aura un pick franc contre un pick viking. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant, j'aurais pensé qu'il aurait pris viking pour Arabia. Et du coup, peut-être qu'il prendrait japonais sur Arabia. Bon alors j'ai vu qu'il avait les 1 aussi, peut-être qu'il prendrait les 1 sur Arabia, Zoupi. On verra. En tout cas, c'est un match-up qui change d'habitude puisqu'on voit pas souvent de francs ou voire même de vikings sur Aguadona. Mais on devrait avoir des plays pour le coup qu'on a déjà vu, notamment archer chez le viking et une ouverture franc, une ouverture scout pardon chez Kasva. Kasva qui j'ai l'impression apporte une vraie importance au Sif cavalerie. Souvent on le voit jouer des Sif cavalerie, hein, genre berbère, franc. Et à terme, souvent Knights également sur l'âge des châteaux. Donc, peut-être que c'est un joueur qui préfère jouer cette unité. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte au niveau de la map de Zoupi? On a cette petite forêt dans le bac qui est très sympa. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va y mettre son premier camp de bûcheron. Jusque-là, ça fait sens. Il a cette deuxième forêt dans le bac juste là qui pourrait être très 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 intéressante. Tu pourrais expliquer comment tu crées une map ou un style de map comme Aguadona? Ah bah... t'expliquer comment on crée une map d'un point de vue technique, non, parce que je ne sais pas le faire, c'est Miaou qui sait le faire ça. Après c'est des lignes de code, de ce que j'ai compris. C'est comme si tu codais un site internet, en fait il y a un langage propre à ça, et quand tu rentres tes lignes de code, bah ça te génère la map en fait. Genre par exemple tu rentres une ligne de code qui va te dire que tu veux que t'aies un or principal qui spawn dans un rayon pardon de 20 cases autour de ton forum par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est du code en fait, ni plus ni moins que du code. Et puis bah après moi l'idée d'Aguadona je l'ai imaginé dans ma tête, après je l'ai schématisé sur Paint, tu vois j'ai fait un dessin assez bateau sur Paint et je l'ai donné à Miaou, je fais tiens une map qui ressemblerait à ça serait cool et il l'a fait Aguadona du coup, dans la foulée. Donc ouais deux petites forêts assez sympas hein, pour Zoupi dans le bac, oh là là regardez, Kasva qui est déjà dans l'économie de son adversaire. Peut-être une volonté d'aller lame pour celui-ci et Zoupi qui a également un or plutôt sympa même si on pourrait imaginer qu'à terme... quelques bateaux pour avoir accès ici. On peut. Bonsoir à toi, merci de divertir mes longues après-midi de travail avec des lives en replay. Merci Chouxi, merci beaucoup. Et Kangoux également, dis donc ça resub beaucoup là. Hein. Merci beaucoup les gens. Déjà 3 mois avec les singes, ça passe vite. Plus trop le temps de zoner ici, mais toujours un réel plaisir. Merci beaucoup Kangoux, merci infiniment. Et du coup ouais dans l'ordre de Zoupi il est ok en vrai ça va, on peut éventuellement peut-être aller chercher un petit wall devant pour essayer de le rendre safe. La map me paraît assez ok globalement. En plus il a ce second tour qui est plutôt sympa aussi donc
Moi, je trouve la map de Zoupi, en tout cas, assez sympa. Chez Kasvar, c'est peut-être par contre un peu moins sexy. Hein. Regardez les forêts. Celle-ci dans le bac est sympa. Par contre, celle qui est devant l'est un peu moins, les forward. Mais elle reste prenable hein, pour le coup. Cette forêt, par contre, est très intéressante dans le bac aussi. Si jamais, en tout cas, on a besoin d'un bois un peu plus safe, pourquoi pas. L'or est plutôt bon également. Pas forcément à portée de la mangrove devant. Mais ça reste quand même très ouvert ici. Hein. Il va falloir y faire attention, je pense, pour Kasvar. Le play scout, en tout cas, est confirmé au vu du nombre de bûcherons. C'est moi le goal derrière Kasva et Phare. Non, c'est un or qui est ok. Hein. En vrai, de vrai. Hein. Sur l'âge des châteaux, la map de Kasva, je la trouve intéressante. Il peut poser des forums assez intéressants. Ouais. Par exemple, on pourrait imaginer un forum ici. Un forum là. Un forum sur l'or principal aussi, ça me paraît assez, assez évident. Et merci à Phoenix pour le resub. Merci beaucoup, Phoenix. Merci, merci. Encore un mois de plus, la bise le sang, frérot JTM. Moi aussi JTM. Tandis qu'ici Zoupi va nous ouvrir une petite caserne, 7 minutes 20. On arrive à la fin d'un build order Manatarm, j'ai l'impression. Attention au bûcheron également, regardez. Un bûcheron ici qui ne travaille pas. Ce qui pourrait du coup peut-être ralentir la pause du camp de bûcheron, du camp de mineur, pardon. Et on peut le voir, il n'y a que 30 de bois en banque. Attention quand même, ouais. Zoupi qui regarde pas vraiment sa macro, j'ai l'impression là. De mieux en mieux les titres ONG. Mais frérot, c'est fait exprès celui-là. C'est un running gag pour hier justement. Parce qu'hier j'ai bugué sur le titre. Et du coup je me suis dit bah tiens je vais marquer Crumble là. On prend de l'or également chez Kasva, c'est intéressant. Du coup on partirait peut-être sur un éventuel Manatarms également. Avec les francs. Ouais effectivement c'est le cas. On s'est scouté par Zoupi donc l'effet de surprise n'est pas forcément là mais mais CBG, j'étais là hier. Ok, d'accord. Ok, ok. Après, ça peut être un concept de tournoi, là. Hein. L'European Crumble. Un tournoi où des joueurs européens s'affrontent dans la réalisation d'une tarte aux pommes. Let's go, hein, les gars. On a peut-être un concept, là. Hein. En tout cas, le Manatarms de Zoupi qui part à l'attaque. On est déjà au milieu de la map. On va upper dans 2 secondes. Manatarms va être cliqué. On clique les mêmes améliorations d'un côté comme de l'autre. Et on va du coup peut-être mettre un petit peu d'action. Zoupi qui attend pas hein, que ces Manatarms arrivent. On vient déjà mettre de l'action avec le scout. Peut-être pour éviter de faire en sorte que justement Kasva puisse voler. Le problème c'est qu'il troque énormément d'HP hein, sur son scout et ça c'est regrettable. A tel point qu'il va le perdre. On vient de choquer un petit peu quand même là pour Zoupi j'ai l'impression. Parce qu'on aime garder son scout lorsqu'on Manatarms. C'est très utile notamment pour bodyblock comme on l'a déjà commenté plus d'une fois. Et là malheureusement il en est privé. Un move un petit peu difficile à comprendre. Il n'y avait pas forcément besoin de s'acharner comme ça je pense. Et ça fait des affaires de Kasva tout ça. Hein, bien évidemment. Pendant ce temps-là, transition sur une première archerie pour le bon Zoupi qui a les vikings, on le rappelle. Donc la civilisation s'y prête très bien, cet exercice. La question c'est ce qu'on fait effectivement une archerie pour le franc également. Et sur ce début d'Ashfodal, mine de rien, Kasva est quand même bien parti puisqu'il a encore une fois ses 3 Manatarms tout neuf. Et il a quasiment clean 2 Manatarms en face. Donc c'est quand même une opération assez rentable hein, pour Kasva. Un BO très serré en prévision. Hein. Les deux joueurs sont au coude à coude dans les seeds. Seed numéro 7, seed numéro 8 je crois. Ou alors 8 et 9, je ne sais plus. Kasva qui vient de perdre un scout. Cependant on repère un Manatarms. Pour Zoupi on perd également un archer. C'est un Manatarms qui est très rentable hein, pour le moment. Hein. On tue pas de péons mais on tue des unités militaires. C'est toujours ça de prix. Et du côté de chez Kasva du coup c'est... un archer et un tirailleur qui auront été produits pour le moment dans cette archerie. La forge qui va être proposée. On n'a pas encore le plus en attaque du coup. Les Zoupi non plus d'ailleurs, on peut le voir.
Sa forge est également en train d'être posée. Win. Cette unité militaire contre 3, on est bien. On est bien côté Kasva. En tout cas, ce début d'âge féodal se présente plutôt bien. On arrive en plus de ça à trouver un méga wall. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à noter là, dans mon petit calepin. C'est que Kasva, les amis, est un petit waller. Hein. C'est pas la première fois qu'on le voit être full wall, même sur des maps qui le laissaient pas forcément présager. Ouais, c'est cool, aux éteins de ouf, c'est archi cool. Plus un d'attaque maintenant chez les deux joueurs. Le Manatarms qui ici peut être très intéressant. On peut trouver un trou très rapidement dans ces palissades. Entre les Manatarms et les archers. Cependant, ça se regarde beaucoup. Hein. Pas de grosse prise de risque pour l'un comme pour l'autre. On a un Zoupi qui joue de manière très défensive. Toujours sur une seule archerie par contre. Au même titre que Kasva d'ailleurs, on peut le voir. Salut Conky. 5 pions forward, ouais, proposé par Kasva. Qui a l'air de vouloir du coup s'emparer du contrôle de l'or de son adversaire. Est-ce qu'on a un troisième or? Oui, on a un troisième or là-bas éventuellement, si on a besoin d'en récupérer. Grosse agressivité de la part de Kasva, c'est intéressant. Très intéressant. Zoupi qui va du coup répondre avec une tour également. Le trou a été fait. Le Manatarms qui va peut-être pouvoir deny la construction de cette tour. En tout cas, Kasva pardon, a un avantage sur celle-ci. Ah là là, c'est dommage par contre, je pense de pas avoir tapé les péons là pour Kasva sur le avec les Manatarms. Oh, c'est une bonne situation pour Kasva ici. Hein. La tour va popper, mais on a un avantage assez intéressant ici. Attention par contre, voilà, on tirait plus sur la tour pour Kasva, il l'a remicro. C'est une bonne chose. Il y a peut-être des péons à toucher ici là, avec cette tour. Encore une fois, Kasva qui ne micro pas sa tour malheureusement. Il décidera de taper la tour plutôt que de taper les péons. Une agression qui se passe plutôt bien, j'ai l'impression quand même pour Kasva. Est-ce qu'on ramène de l'armée? Oui, on continue de produire les archers dans un premier temps. Toujours sur une seule archerie. On va le trouver, stage des châteaux. On va le trouver. À terme, en tout cas, on va le trouver, c'est une certitude. Oh là là, et très bonne réaction de la part de Kasva. Qui vient de fast-tooler son péon. Zoupi qui voulait rusher la tour de Kasva visiblement. Et très bonne réactivité de la part du joueur turc ici. Qui trouve d'ailleurs un kill, deux kills même sur les villageois de Zoupi. Ça potéto un peu là, j'ai l'impression quand même. Hein, du côté du joueur finlandais. 35 villageois à 38 à présent. Un petit coup dur effectivement pour Zoupi. Dans son malheur, hein, on le rappelle, avec Viking, il a déjà la brouette. Donc la perte de ses deux villageois est pas forcément si importante qu'en temps normal. Et la tour qui trouve pas mal de dégâts sur ses tirailleurs, ce qui peut faire les affaires de Kasva encore une fois. Il y a un Kasva qui devrait cliquer château, je pense, dans 2 secondes là. En tout cas, il y a une transition écurie qui est en train d'être faite. Tout ça fait du sens, on a les francs. On a une économie qui est très bonne d'ailleurs chez Kasva. On va pouvoir partir sur un play knight sans aucun problème. On va se payer aussi certainement, j'imagine, le plus simple défense dans la foulée. Zoupi qui trouvera son castle edge en même temps. Oh, Zoupi. Oh, lui, il sait me parler, lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un port, messieurs dames. Est-ce qu'on va avoir des bouteilles de Perrier? Ah, écoutez. Moi, je trouve qu'il fait un peu soif là, donc pourquoi pas. Encore une fois, un beau fast wall proposé par Kasva par contre sur cette tour. La faille de tour qui a l'air quand même d'être à l'avantage de Zoupi à présent. Au niveau des HP, en tout cas, il a quand même une belle avance. Merci à Percolito pour le sub. Pendant que Zoupi
perd deux péons. Oh là là, Zoupi, attention. Attention, mon bon Zoupi. Merci. À ne pas trop donner quand même face à ce Turc qui, pour le moment, se régale pas mal, hein. Dans cette fight de tour. Certes, il perd la tour, mais bon sang, le constat est sans appel, hein. On perd, je crois, 4 ou 5 villageois. Pour Zoupi. Et les 4 villageois de Casbah, hein, toujours forward, qui pourraient peut-être proposer du coup atelier de siège, hein, ou monastère à son arrivée château. L'un ou l'autre, en tout cas, serait assez pertinent. Peut-être un atelier de siège au vu du nombre de tirailleurs. Tout ça ferait sens, d'après moi. On a effectivement donc cliqué le plus en défense durant la transition. Le plus de défense devrait attendre, j'imagine. L'idée étant peut-être de proposer quelques unités d'abord. Les pions qui sont pris en chasse, le plus de défense qui finalement, non, aura été cliqué. Intéressant. Pendant ce temps-là, Zoupi clique le plus de l'attaque. Et on va faire quelques dracars. Très, 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 très intéressant, les amis. Pour le moment, quelque chose qu'on n'a pas encore vu. On a de la mobilité avec les dracars, bien évidemment. On a des unités qui sont très tanky en termes d'HP. Et ici, Casbah qui prend une information. Hein. Casbah qui prend une information. Il sait que son adversaire fait quelques bateaux. Donc à terme, attention. Peut-être un Zoupi qui pourrait prendre le contrôle de la mangrove. Salut Heisenberg, ça va? Intéressant en tout cas ce pay dracar là. Quelque chose qu'on a encore jamais vu sur Aguadona. Est-ce qu'on a réussi à le faire saouler? Oui, c'est bien fait ça de la part de Zoupi. Très 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 bien fait. On a Piki également qui vient d'être cliqué. Tout intéressant d'un point de vue défense là pour Zoupi. Par contre, il va falloir peut-être faire attention au point de ralliement des dracars qui, pour le moment, est un peu hasardeux. On vient troquer quelques HP de manière un peu regrettable. La brouette qui est faite chez Casbah, 43 villageois contre 41. Oh, et regardez-le. Le bon Zoupi, le bon Casbah, pardon, qui, à son tour, vient rajouter des porcs au milieu de cette mangrove. Les amis, cette Aguadona va être absolument incroyable, je le sens, là. Bref, passage ce soir, on est moins présent, mais on garde le sub. Merci, Paladin. Merci beaucoup de garder ton sub. Les amis, il y a des navires de démolition qui sont en train d'être faites. Alors on le rappelle, hein, pour avoir la chance de voir ces bouteilles de Perrier exploser, il faut cliquer l'amélioration des bateaux. Est-ce qu'on va avoir envie de le faire pour Zoupi? C'est la question. En tout cas, une Aguadona qui change de d'habitude. Hein. Et c'est pas sans m'en déplaire, on va rajouter un deuxième forum pour Zoupi. Puisqu'on peut le voir, celui-ci mine de la pierre. Curieux cette décision quand même d'avoir fait un petit démo ici. Parce que le truc c'est que contre des knights, les démos de la chevaudale ne feront pas le poids, ça c'est une évidence. Côté Zoupi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des fire. Côté Casbah, pardon, on a fait des fire. Pour le moment on en a deux en garnison. Qui pareil, eux ne sont pas améliorés non plus. Et ici on va gagner un petit peu de temps, le temps justement que ce forum pop, on va re-wall. Avec quelques maisons pour Zoupi. Ce qui me paraît être assez... intéressant, comme ça là sur le papier. On s'enflamme pas, hein. Si j'allais dire on s'enflamme pas sur les dracars, mais on en refait visiblement quelques-uns. Le bon Casbah qui lui va améliorer ses bateaux. Et il aura d'ailleurs proposé 3 ports, hein, Casbah. Très 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 intéressant cet Aguadona. Pourquoi il y a marqué 10 d'or sur le port? Où ça, hein? Ah ouais, j'avoue, bonne question. Très 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 bonne question. J'avoue que je ne sais pas. Navire d'incendie en tout cas qui aura été proposé. Un démolition qui trouvera quelques HP. Pour le moment les navires d'incendie qui font un travail assez intéressant. Hein. Zoupi qui s'empale littéralement ici là. Peut-être un petit peu naïf d'ailleurs. Ouais, lui aussi va faire un navire de démolition, mais il faut les améliorer, hein. Il faut les améliorer, et le problème, c'est dommage, c'est qu'en plus de ça, les dracars, initialement, ça contre extrêmement bien les fire. Le problème, c'est que là, on n'a pas pris d'informations, on n'a pas scouté le troisième port, on n'a pas anticipé que Casbah faisait beaucoup, beaucoup de fire, il a en plus de ça une très, très belle armée de knights. Ici, Casbah est très, très bien dans sa game, les amis, hein.
Permettez-moi de vous le dire. Et à vrai dire, le play Drakkar, il aurait pu être, à mon sens, très pertinent si les ports avaient été faits sur les extrémités, en fait. Parce que en les faisant sur les extrémités, ça me donne un accès direct ici. Et après, pourquoi pas accéder à tous ces minerais. Poussin de défense qui va être cliqué chez Zoupi. On continue de faire du Knight pour Kasbah. Et on vient peut-être trouver un trou là. Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut se frotter à ses piquiers pour Kasbah? Visiblement, c'est ce qu'il a l'air de vouloir faire et ça a l'air de plutôt bien se passer. On clean beaucoup là. On clean beaucoup et je pense que là, on va avoir beaucoup de mal à surmonter ça. On n'a pas l'armée suffisante. Hein. On n'a qu'un forum pour le moment qui va nous permettre d'infliger des dégâts aux Knights. Mais les tirailleurs, eux, bien évidemment, vont servir à rien. Ouais, on délocalise. Hein. On délocalise et ici, ouais, il va le payer à mon avis très très cher, Zoupi. Hein. 60 villageois, 65, il a une petite avance pour autant, mais... Est-ce que cette avance... Ça, j'aime bien. Je sais pas s'il a compris qu'avec ce port dans le bac, il allait pouvoir aller chercher éventuellement de l'économie chez Kasbah, mais ça peut être très intéressant. Mais le problème, c'est la production de Knights, là, chez Kasbah, qui est quand même assez importante. Pas ma connaissance, Intsum. Enfin, j'en sais rien en fait. Je saurais pas te dire. Si tu parles de l'association Aram, je saurais pas te dire. Oh là là, et regardez-le, le bon Kasbah là, ici qui vient peut-être finir cette game. Hein, avec un château extrêmement offensif. On le rappelle, les châteaux francs qui coûtent beaucoup moins cher que les autres châteaux. Et ici, Kasbah en profite bien. On vient prendre un excellent contrôle map. Hein. On vient prendre un excellent contrôle map. On vient manger ce forum. On prend beaucoup de minerais. Ouais, je pense qu'ici, ouais, c'est GG. C'est stylé. Hein. Très belle game de la part de Kasbah. Hein. Très, très, très belle game. Hein. Ça a déroulé quand même pas mal. Hein. Il n'y a pas eu une seule pression une fois de mise de la part de Zoupi chez Kasbah. Tout a été géré à la perfection. Lucide Kasbah, ouais, plutôt lucide effectivement. Là où Zoupi a peut-être été un petit peu naïf. Oh, regardez. Il nous l'avait proposé quand même, cette petite bouteille de Perrier. Ça fait plaisir. Ok, bon, bah, écoutez les amis, on va partir sur la game numéro 2 à présent. On va partir sur la game numéro 2 qui devrait être la map de Zoupi sur Sacred Springs. Ça sera indien contre malien du coup. Ah oui, c'est vrai, j'ai tendance à oublier que sur Sacred Spring, il y a beaucoup de poissons côtiers. On est reparti du coup, les amis. On le rappelle, hein, cette map où on a énormément donc, de poissons côtiers sur les extrémités. On a également deux reliques sur chacun de ces plateaux. Et aussi un petit cochon. On va partir du principe où c'est bon pour ce soir, Marine. Mais attention. Je pense que, ouais, jeter dans le collimateur à présent. Pas encore, Carlito, mais ça ne saurait tarder. Toujours un plaisir de te retrouver, OGN, en fin de journée. Eh bien, écoute, Viriot, merci et bienvenue. Installe-toi, je t'en prie. Les fameuses tortues, exactement. Le retour des tortues, hein. Qui ont l'air assez heureuses. On a donc Indien très très fort contre Malien. Malien qui n'a pas encore été piqué, je crois, sur cette map. Hein. Mais une cif qui marche bien, globalement. Donc on peut proposer pas mal de choses. Est-ce qu'on va partir sur un Manatarm? Je vois bien un petit Manatarm ici, là, pour... Quoique, ouverture scout sur cette map, c'est aussi très fort, en vrai. Hein. Go les compter. Oh, lui. Un sanglier qui va être abattu, avec un scout à côté pour justement bloquer le sanglier si besoin. C'est une texture modifiée, les tortues? Non, du tout, c'est le jeu qui propose des fois des tortues. Et merci à Jelaf pour le resub, merci beaucoup.
Je salue la très bonne qualité du commentary. Merci beaucoup, ouais, Gélaf. C'est gentil. La map de Kasva a l'air assez ok. Hein. Elle a l'air assez ok. On a ce petit or dans le bac qui pourrait faire l'affaire. Petite forêt ici, une petite forêt là. Qui pourrait faire l'affaire également. Rien à déclarer de ce point de vue là. Là où chez Zoupi par exemple, on pourrait noter que tous les ors sont forward. Mais par contre, un peu plus de forêt dans le bac peut-être. Propre move du cochon. Ouais, c'est un standard, hein. C'est assez connu comme move. Tu peux aussi faire ça éventuellement avec un mouton ou un cochon. En le positionnant à mi-distance par exemple. Et du coup, ouais, je pense qu'on va partir sur une ouverture scout là pour le bon Zoupi avec ses 3 bûcherons. Je pense que scout en vrai c'est la meilleure ouverture possible. Excepté peut-être avec Lego où effectivement on avait eu une belle ouverture Manatarp la dernière fois. Plutôt intéressante sur le papier de la part de qui d'ailleurs, je ne sais plus. Bah je me demande si c'était pas de la part de Zoupi d'ailleurs. Et d'ailleurs là où il s'est fait ban Lego, je crois que c'est Zoupi hein, contre Alice peut-être. Ouverture go sur Sacred Springs. Et du coup on s'est fait bannir Lego. Peut-être que Kasva analyse les records, hein. C'est pas impossible hein. Peut-être que Kasva analyse les records. Qui est favori, je débarque. C'est extrêmement serré, Omnis. Seed numéro 7 contre seed numéro 8, donc... Pas réellement de favori, là. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Belle chasse du sanglier ici, proposée par Kasva. Est-ce que Zoupi va nous proposer la même chasse? Plus ou moins. Après, avec Malien, on pourrait peut-être aussi proposer une ouverture champion à l'image d'un go. C'est un peu moins pertinent, mais avec Malien, ça pourrait faire sens aussi. Comme il est en train d'exploiter ce spot-là, il pourrait peut-être avoir envie de poser une caserne ici ou là. Et après, directement faire Manatarms, directement sur le spot de Kasva. Ça me surprendrait pas, mais une ouverture scout me paraîtrait assez logique, dans l'absolu. Kasva en tout cas qui arrive dans la base de son adversaire. Il commence à prendre les informations. Pareil pour Zoupi. Il a l'information hein, que Kasva il s'est justement mis. Et regardez la caserne qui est proposée. Ça me surprendrait pas hein. Est-ce qu'on prend de l'or? En tout cas la caserne est scoutée par Kasva. J'imagine qu'il va être d'autant plus attentif sur ce qui se passe justement ici. Et on a effectivement une transition alors. Donc il reste sur sa stratégie, sauf que la cible du coup changera. Je trouve ça intéressant. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Pour Kasva, on va proposer des walls, on peut le voir, pour essayer peut-être de ralentir ce futur Manatarms. Bataille de scout entre les deux joueurs. Est-ce qu'on prend de l'or chez Kasva? Pour le moment non. On le rappelle, il a les indiens. On peut éventuellement partir sur archer. Peut-être que là on serait tenté du coup de partir sur scout dans un premier temps. En ignorant le Manatarms. Ça pourrait être une idée hein. On part sur scout, on ignore le Manatarms. Puisque de toute façon on a des spots qui sont volés. Et derrière on va contre-attaquer avec 3 scouts. Pourquoi pas, même 2. Pourquoi pas. Mais pour ça attention à ne pas oublier la caserne hein, pour le bon Kasva. Qui pour le moment n'en a pas... Ah ça y est, elle est là, il l'a oublié hein, au dernier moment. Du coup il se précipite avec 4 villageois pour la proposer. Amélioration du bois chez les deux joueurs. Manatarms qui est du coup côté Zoupi. Et j'ai l'impression que Zoupi le savait. Il l'a vu hein, que ça wallait. Du coup aucune raison de s'attarder sur ces palissades. Allons mettre la pression peut-être là où ça serait ouvert. Et là où ça serait ouvert, ça serait éventuellement sur cette forêt là-bas. Ça coûte cher de wall le lac. Oui, mais derrière, tu bénéficies quand même de pas mal de nourriture. Hein, donc, c'est plus rentable d'investir dans du bois comme ça pour protéger le spot plutôt que de faire des fermes. En vrai de vrai. On rappelle les Manatarms maliens hein, qui gagnent plus 1 de protection perçage par âge. C'est pour ça qu'on a déjà un plus 1 de défense là. Et pour le moment, on n'a pas d'écurie hein, proposée par Kasva. On a certes une caserne, mais pas d'écurie. On le rappelle d'ailleurs. La dernière fois qu'on a vu Kasva sur cette map, on l'avait senti un petit peu perdu, je crois. C'est ce qu'on avait relevé comme constat.
où on savait pas trop ce qu'il voulait faire. Il avait tenté une espèce de fast castle tour défensif bizarre là, et ça avait pas abouti. Ça avait pas abouti, je crois qu'il jouait Aztec d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, contre Alice. Encore une fois, à vérifier. Ça m'a l'air un peu plus maîtrisé là quand même, on part sur quelque chose d'un peu plus conventionnel. Zoupi, qui veut s'emparer de ce spot, visiblement on peut le voir, hein. La tour qui va venir justement annihiler ses poissons côtiers pour Kasvar. Et la tour qui pop. La question c'est qu'est-ce qu'on fait pour Kasvar? Est-ce qu'on continue d'exploiter ces poissons? On peut encore exploiter celui-ci. Ce spot-là par contre me paraît compliqué. Et on s'empare du spot ouais, pour Zoupi qui posera du coup son propre moulin. Attention à la naïveté de Kasvar là. Qui pourrait à tout moment se faire punir. Hein. Et Zoupi le sait, il est là en warning avec son scout. Il y a peut-être un move à faire. On a quand même 3 manatarmes, c'est 2 piquiers. Hein, ce qui rend la défense de Kasvar absolument impossible. Et d'ailleurs on peut le voir, hein, le temps n'est pas à la défense mais plutôt à la contre-attaque du côté de la Turquie. Et comment on défend par contre, un minimum, face à ce Manatarm? On peut pas vraiment, hein. On y laissera du coup une péone. Et j'imagine qu'on va y laisser au moins un deuxième péon. En body bloquant éventuellement, il y a peut-être moyen de trouver un kill. Elle est délicate cette défense pour Kasvar, qui va certainement y laisser un deuxième villageois. En tout cas, il y a des scouts qui tombent, hein. Il y a des scouts qui tombent les amis. Le péon s'en sera sorti, ça lui aura coûté 2 scouts à Kasvar. Est-ce qu'on veut trade 2 scouts contre un péon? Je vous laisse en débattre dans le chat. Oh là là, et on repère un péon par contre pour Kasvar, attention. Et j'ai l'impression qu'il s'était pas rendu compte que pendant tout ce temps, il y avait une tour qui avait popé. 27 villageois contre 28. Pour autant, c'est Kasvar qui a l'avantage ici. Alors ça veut dire qu'il y a eu des trous de production là côté Zoupi. Et effectivement, quand on s'attarde au niveau de l'idle time, regardez, l'idle TC, 1.36 contre 32. Alors à quoi bon prendre des péons, Zoupi, si derrière on engendre de l'idle TC, je te le demande. Tu n'es pas obligé de me répondre, je ne comprends pas le finlandais. Mais attention tout de même à ne pas reproduire ce genre d'erreur, puisque du coup les avantages pris sont pas si concluants finalement. Brouette sera cliquée. On va faire une tour défensive pour Kasvar, on veut sécuriser ce spot, un spot important, il est vrai. Beaucoup de villageois qui sont ici. Cependant, on n'a plus beaucoup de nourriture, regardez. Kasvar qui a actuellement 0 péon à la nourriture. Ça peut être un problème. Hein. Ça peut être... Oh, on va cliquer le plus 1 d'attaque. Ah oui, il a fait une transition archer également. Ça va prendre des tournures de full féodal, ça, si vous voulez mon avis. Au vu de l'économie et au vu de la compo, ça va partir en full féodal. Assez souvent, Kasvar qui vient rendre les coups ici en prenant cette péone. Et on vient du coup interrompre la récolte alors, on vient rendre les coups. Ici on peut prendre peut-être quelques piquets, ce qui serait une très bonne chose d'ailleurs pour Kasvar. Ouais, excellent move, hein. 33 villageois contre 27 à présent. Alors, ah, je crois que c'est la fameuse, le fameux moment où la game plante. Ok, va falloir redémarrer le jeu. Putain, la game a fait planter le PC carrément. Incroyable. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, on va relancer ça. On a la deuxième partie de la game du coup. On remercie Microsoft. Bah toujours, hein. Petite dédicace. Ta-na-na-na. Ce vieux sablier de ouf. Photoshop CS4. Mec, laisse-moi. Marche très bien ma version Photoshop. Pour ce que j'en fais, c'est parfait. Profitez pour boire une petite gorgée d'eau. Alors, la deuxième partie de cette record, les amis. Non, c'est pas ici.
Ta-da-da-da. J'ai pas fini de se jeter ce qui se passait sur mon PC là. Bande de coquinous. On est reparti. On est reparti et sur un move plutôt intéressant. Regardez, les Manatarms qui viennent de trouver tous les bûcherons, obligés de tout évacuer encore une fois pour Kasbah. Pendant ce temps là, qu'est-ce que ça raconte au niveau de son move? Non, jamais Omnis. Il y a un move intéressant, on peut rendre les coups pour Kasbah, c'est pas terminé hein. C'est pas terminé du tout. Quoique, on est en train de perdre encore une fois quelques péons. On en perd un sur le bois, 27 contre 33. Toujours une petite avance pour Kasbah, mais on le rappelle, on a Brouette chez Zoupi. Donc une différence de plus ou moins 3 péons en faveur de Kasbah ici. Il faudrait mettre les archers de l'autre côté là pour Kasbah, c'est un petit peu dommage. Attention par contre, il y a une belle armée de scouts là qui vient de sortir de garnison. A tel point qu'on va peut-être pouvoir clean toute cette armée. Ouais, c'est une bonne fight. Très bonne séquence de jeu là pour Zoupi sur cette dernière minute. Qui d'ailleurs continue de mettre de la pression. On clean de l'armée, on tue des péons. 27 contre 33 à présent, c'est pas mal du tout. J'ai été invité à manger un grec là-bas, Zinedine. Qui me sera gentiment offert d'ailleurs, hein, qui plus est. Merci à Smita pour le resub, merci beaucoup. On continue de mettre de l'action avec ces scouts. Hein. Tu nous régales toujours autant. Et on notera qu'on a le plus simple défense sur les scouts de Zoupi. Oh dommage, on loupe un péon là qu'on aurait pu, je pense, aller chercher. Quitte à y laisser un scout. Kasbah qui va peut-être essayer de rendre les coups. On a 4 scouts qui se baladent ici. Quelques pions volés. Une tour défensive, des piquiers. Sur un timing, peut-être cette péon là qui nous tend les mains. Regardez. Malheureusement, non. Overlay bugué, non? À quel niveau? Il est planté l'overlay, non? Ah bon, quel niveau? Il bouge plus? Les ressources bougent pas. Ok, bougez pas, je pense savoir pourquoi. Comme on a dû relancer le jeu entre temps, là ça devrait repartir. Ouais, let's go. Du coup, ouais, on a repris un péon pour Kasbah, ce qui est une bonne chose. C'est parti. Par contre, arrêtez de faire les forains, c'est moi le forain ici. Oh, c'est parti. Ça dépend si tu me bannes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je te banne pour avoir un grec? Pas de soucis. On repart là-dessus. Hein. Zoupi qui reprend un péon. Et peut-être même un deuxième. Le poussin de défense ici, il fait le travail. Hein. On tue énormément de péons. Mais pour autant, Kasbah a réussi à rendre les coups, j'ai l'impression. Quoique non, en fait, c'est parce que le forum de Zoupi est AFK, étant donné qu'il est en train de passer à l'âge des châteaux. On a une belle armée, cela étant dit. Hein. On a une très très belle armée. Deux stratégies qui sont assez différentes. Entre l'un qui investit beaucoup sur le féo, alors que l'autre est déjà en train de transitionner vers l'âge des châteaux. Est-ce qu'on va réussir à chercher ce péon à un HP là? Est-ce qu'on va réussir? Oui. Zoupi qui a été attentif encore une fois. Et Kasbah qui pendant ce temps là s'est littéralement endormi hein, sous la tour de Zoupi. Aïe 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 aïe. Je pense quand même qu'on a un bel avantage entre les mains là pour Zoupi hein. Surtout avec ce passage à l'âge des châteaux là, qui va nous permettre éventuellement de sortir quelques knights. Salut Keblin. Il me paraît GG désormais, oui je pense aussi effectivement que ça prend des tournures de GG là en faveur de Zoupi qui se montre extrêmement actif avec ses scouts. Hein. Plus de défense cliquée, ouais, plus de défense va faire le café.
On est beaucoup trop late. On peut le cliquer, hein, cette tâche de château pour Kasva. Le problème, c'est qu'il voilà, il faudrait jouer avec le marché. C'est ce qu'il vient de faire. La transition va être longue. Est-ce qu'on peut défendre pendant toute cette transition Castle Edge? On a une tour et pas mal d'armées, mais attention quand même. Hein. La production a l'air plutôt décente, là, côté Zoupi. Je pense que là il faut essayer de bait comme il est en train de le faire là, le bon Zoupi. Il est en train de monopoliser toute l'armée de Kasva ici pour peut-être en simultané justement faire un move avec ce petit groupe, ça pourrait être sympa. Le problème c'est que ça a été wallé. On perd peut-être le timing là pour Zoupi. Tu peux voir Kimabo? Non, mais toi tu peux le voir en cliquant sur la cloche en haut à droite, Mina. Je pense qu'il faut prendre la fight là. Il faut peut-être prendre la faille. Ah, il décide de pas la prendre, ok. Il veut peut-être tuer des péons, mais je pense que tuer des archers, c'était pas déconnant non plus. Hein. Parce que ça, c'est des archers qui peuvent du coup être assez problématiques. Oh, très très beau fast wall de la part de Kasva ici, là. Qui vient limiter énormément de dégâts. Très 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 beau fast wall. Hein. Et belle défense, là, de la part de Kasva qui perd un péon, j'ai l'impression. Ouais, pas mal du tout. 19 d'armée contre 10. On va enfin rajouter les forums supplémentaires pour le bon Zoupi. Ouais, Kasva a donné tous ses 4 pièces pour rien, exactement. Pas Kasva, Zoupi. Bloodline qui sera cliqué chez Kasva. On va peut-être proposer quelques chameaux en combo avec les crossbows de Kasva. Ça me paraît être un combo intéressant sur le papier. Les Maliens ont aussi les chameaux. Donc ça peut partir à tout moment sur une sorte de Camel War. Belle armée de Knight en tout cas qui est proposée. Est-ce que ça va overshop? Pas encore. A priori, il n'y aura pas de trou. Le problème, c'est que Kasva, il a une économie qui est quand même moins bien agencée hein, que celle de Zoupi. Hein. Il arrive château avec seulement 13 fermiers. On peut même pas cliquer pour le moment le plus simple défense. Et là, il y a une belle contre-attaque, j'ai l'impression, qui est proposée. Hein. Il y a une belle contre-attaque avec peut-être quelques timings sur ces mineurs d'or. 37 villageois à 48. On veut s'emparer de cette tour, le problème c'est que à tout moment ici il se fait punir. Et je me demande quand même si avec autant de piquiers, autant de lanciers, il aurait pas été intéressant de faire l'upgrade en piqué là pour Kasva. Parce qu'on peut peut-être avoir envie de l'engager cette fight avec des knights en plus d'eux. Hein. Et en vrai je pense qu'il faut. Hein. Ouais bien sûr qu'il faut. La fight qui est engagée pour Zoupi et à mon avis Kasva va y laisser des plumes si vous voulez mon avis. Hein. Ah il fallait piquer là, je pense que là il y a une erreur, il y a une mauvaise prise de décision je pense pour Kasva. Et je pense sincèrement qu'il aurait dû cliquer l'upgrade en lancier. Pour trade en tout cas au mieux cette fight. Même si avec lancier, à mon avis, il se fait clean pour autant. Mais le constat aurait été peut-être un peu plus sexy. Troisième forum pour le coup qui va être ajouté. Du côté de Zoupi. Là où Kasva va du coup partir maintenant sur du full chameau. Hein. Plus un de défense qui est enfin cliqué. On a déjà Bloodline. On a l'air d'être parti pour. J'allais dire poser un forum. Mais non, les ressources n'ont pas l'air là. Hein. On peut la prendre cette fight peut-être pour Zoupi. Sans plus simple défense, je pense qu'elle se prenait. Mais je pense qu'il l'a surtout pas vu. Parce que lui, il a le plus de défense. En face, il n'y avait pas le plus 1. Je pense vraiment que la fight, elle se prenait là pour Zoupi. Monastère proposé pour Zoupi. On va essayer d'aller chercher quelques conversions certainement sur quelques chameaux. Pendant que Kasva ici va développer élevage. 43 villageois contre 59. Plus la game dure, plus l'écart se creuse. Et c'est du coup Zoupi qui ira chercher donc Piki en premier. Toujours risqué de rester depuis une tour. Ouais, toujours risqué, effectivement. Et
C'est peut-être un move intéressant ici proposé par Zoupi si on arrive à aller chercher cette palissade. Et il n'y a pas de péon à côté hein, pour éventuellement aller re-wall. Oh. 20 villageois d'écart. On commence à avoir quelques lanciers ici et là. C'est une bonne chose pour Zoupi en tout cas. Et le vache va être cliqué à son tour. Du côté de la Finlande. Et pour le moment, on reste toujours sur du Knight, hein, j'ai l'impression, pour Zoupi. La première game n'était pas close, non. Il y avait un Kasva assez... assez confiant sur la première game. Voilà, par contre, attention, Zoupi qui s'attarde pardon, sur cette maison. La fight ne veut pas être engagée une nouvelle fois par Zoupi. Attention parce que... Pardon. Attention parce que plus le temps passe et plus on a une armée conséquente côté Kasva. Il serait intéressant peut-être d'éviter de laisser Kasva revenir sur le plan militaire. Et peut-être essayer de trouver une solution là pour Zoupi pour finir la game assez rapidement. Salut Mamen. Oh le Mangono sur les péons. Ok, le Mangono qui se sera fait quand même gérer assez rapidement. Pendant ce temps-là, on a beaucoup, beaucoup de Knights low HP. À tout moment, ça peut tomber, ça. Et Zoupi qui a l'air de vouloir engager la fight au moment où c'est peut-être pas forcément le plus important, le plus intéressant. On arrive à prendre une conversion de chameau, j'ai l'impression. Est-ce que ça peut suffire? Les piquets font du bien, là, par contre. Hein. Les piquets font du bien, à tel point que Kasva ici se fait gérer en totalité. 52 pop contre 90, 72 villageois contre 48. Ouais, c'est bon, je pense que là la situation se décante. On vient rajouter enfin ce deuxième forum pour Kasva, mais je pense que le mal est fait là. Hein. Très très bonne économie. On continue de faire des scorpions. Étonnamment d'ailleurs, sans trop savoir pourquoi. Ouais, ça me paraît insurmontable là maintenant pour Kasva qui se retrouve avec 4 d'armée contre 23. Et on a bien sûr une économie très fragile pour proposer une riprod décente. On va retenter peut-être un petit move ici là histoire d'eux, mais à mon avis la game va pas durer plus longtemps. On va rajouter un troisième forum également, un forum qui d'ailleurs à tout moment peut être spot hein, par Zoupi qui est pas très très loin. On sait que Kasva il a un petit côté forceur, en tout cas moi je le regarde de temps en temps en live. Et je sais que des fois il aime bien continuer des games hein, qui sont pour le coup assez perdus. Pendant que Gearsmith resub, merci beaucoup. Yo les gens. Donc ça me surprendrait pas ici de le voir. Oh là là, regardez-le. Zoupi qui vient claquer un château absolument monstrueux là. Entre les deux formes de Kasva, ça c'est un château qui vient finir la game je pense. Et c'est marrant de voir que Zoupi termine Kasva de la même manière dont Kasva a terminé Zoupi juste avant. Sur Aguadona. À l'aide d'un château. Objectivement, Kasva doit call le GG là. Ah, il faut le call là, Kasva, hein, c'est terminé. Hein. C'est absolument insurmontable. Hein. Ouais, c'est GG. C'est très 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 intéressant de voir que les deux se sont terminés de la même manière. Hein, sur les deux games qu'on vient de commenter. Incroyable ce château. Ah, ce château il est goldé. Hein. Ce château il est goldé, mec. Il prend les deux TC et il prend énormément d'or aussi à côté. Très très beau château, très belle agression, très beau BO, très belle strat ouais, de la part de Zoupi. C'est la deuxième fois hein, qu'il nous montre quelque chose de sympa sur Sacred Springs. Il aime la map, ça se voit. Hein. Ça se voit. On va donc maintenant partir sur la map de Kasva qui de mémoire est Arabia. Et ça sera donc Maya contre 1. Je crois que Maya c'est aussi une cible que Kasva aime beaucoup. On est reparti du coup les amis pour cette dernière game, les deux joueurs ont marqué un point pour le moment. Kasva qui dans sa poule actuellement je crois est le leader avec 5 ou 6 points. On verra ce que ça donne à l'issue de ce match. On va analyser du coup les maps des deux joueurs, là côté Zoupi du coup avec les 1 et je l'avais supposé hein, sur Arabia, ça fait sens. On a une map qui dans l'ensemble a l'air assez standard.
Petite forêt devant qui ferait l'affaire. L'autre forêt dans le bac éventuellement. Celle-ci un peu plus lointaine, mais pourquoi pas non plus. Par contre, l'or est très exposé. Hein. Les ors, même sur la droite, sont très 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 exposés. Est-ce qu'on peut aller chercher un wall? Difficilement. Hein. Vraiment difficilement. Après, peut-être de là jusqu'à l'or ici. Et de l'or jusqu'à cette forêt. Et de cette forêt jusqu'au bord de map. Peut-être qu'il y a un wall à aller chercher. C'est long, mais pourquoi pas. Et peut-être ici et là pour aller chercher à terme un full wall. Pourquoi pas, hein, mais assez délicat. Et du côté de chez Kasva, qu'est-ce qu'on a? On a des forêts qui, pour le coup, sont assez loin du forum. Certainement, celle-ci hein, sera convoitée dans un premier temps. L'or principal, lui, à droite, est un petit peu exposé, mais j'ai envie de me dire que Kasva, waller comme il est, il pourrait aller le chercher, ce wall. Hein. S'il attaque, comme ça, et après on descend jusqu'à cette forêt, pourquoi pas. C'est long, mais... Ouais, et du coup, il va aller chercher cette forêt. Jusque-là, ça a du sens. J'ai peut-être une préférence ici pour la map de Zoupi. Les deux en tout cas sont difficiles à négocier. Ça c'est clair et net. C'est une version d'Arabia qui est quand même assez sympa. Hein. Ah, les baisses sont très 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 mauvaises aussi pour Kasvin. Ça c'est un truc que j'ai pas pensé à noter, mais elles sont quand même bien forward et sur une colline qui plus est. C'est loin d'être quelque chose qu'on aime avoir. Zoupi qui se rabat un petit zèbre, une petite autruche pardon, et en même temps il va se rabattre un petit éléphant. Tout ça est plutôt mucho bueno. Là où Kasva arrive très tôt, encore une fois, hein, 3 minutes 30 dans la base de son adversaire. Une volonté d'aller les aim. Est-ce qu'on peut avoir un éventuel timing sur un babar là? Celui-ci serait peut-être peut-être volable. Sauf que pour le coup j'ai pas l'impression que Kasva il ait compris où t'es situé son adversaire. Allons voir ça. Cet or secondaire peut déjà le mettre en indication, mais difficile d'estimer que Zoupi peut se trouver plus bas. C'est moi ou la musique bug derrière? Je pense que c'est toi qui bug, frérot. Après, des fois sur Twitch, des fois il y a des distorsions sonores un petit peu, donc... Zoupi aura des bons forums. Ouais, il pourrait mettre un forum sur leur principal. Éventuellement un forum ici, pourquoi pas. Ou là, sur cette forêt, mais le problème c'est que... D'ici à ce qu'on arrive à l'Hatché Château, cette forêt sera quasiment terminée, je suppose. Ouais, à voir. Avec Kasva qui va littéralement l'opposer de là où est Zoupi. On va perdre un gros timing sur le scouting, j'ai l'impression. Pendant ce temps-là, Zoupi, lui, arrive dans la base de Kasva. Kasva qui a l'air d'être parti pour du coup drusher. Un early drush même, puisqu'on voit qu'il fait la caserne avant le moulin. Intéressant. Zoupi, lui, a priori, nous proposera un scout rush avec ses trois bûcherons. L'ordi de rush qui peut faire très mal hein, s'il n'est pas lu. Zoupi, j'ai pas l'impression qu'il l'ait scouté cette caserne. Allons voir ça. Ouais, je le confirme, il l'a pas vu. Ta biche ? En tout cas, le placement de bâtiment est plutôt intéressant pour Kasva. À terme, voilà, c'est ce que j'allais dire. On va peut-être pouvoir trouver un wall jusqu'au bord de map. Ce qui pourrait être une très bonne chose d'ailleurs. Et un Zoupi qui va certainement avoir l'information du coup sur cet early drush. Attention par contre à ce milicien qui part tout seul là. C'est bon, il y en a deux maintenant. Ouais, et visiblement Zoupi qui se doute de quelque chose, on peut le voir. Hein. Oh là là, Kasva, attention. Attention Kasva, un warning sur le forum de Zoupi là. Aïe 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 aïe. C'est la deuxième fois sur cette game hein, où il donne son scout, le bon Kasva. Quoique non, pardon, la première sur Aguadona, c'était Zoupi. Donc là, Kasva qui vient de donner son Eagle. Et autant dire que quand on drush avec un Eagle, c'est quand même bien plus intéressant sur le papier. Aïe, 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 aïe. Parce que le Eagle tape à 4, hein, au même titre qu'un milicien. Ce qui n'est pas le cas d'un scout à la sombre. Donc là, c'est comme s'il venait de perdre un milicien, en fait, le bon Kasva. Toujours un petit peu regrettable. Ça aurait été d'autant plus intéressant pour aller sniper, justement, ces palissades. Qui sur la chambre maintenant sont quand même assez sensibles. Et on peut voir que Zoupi lui en a littéralement rien à foutre. Hein. On va se rabattre un petit zèbre. Et Kasva n'entend pas de cette oreille d'ailleurs, on peut le voir. Il se rabattra d'ailleurs sur ses zèbres et ses autruches. Kimo.
Manhattan se proposait également. Du coup, côté Zoupi, on s'adapte. Hein. Initialement, je pense que c'était pas ce qui était prévu pour ce joueur finlandais. Oh, et il décide d'aller complètement ignorer le drush de Kasvar. En même temps, il est wallé. Hein. En partie, en tout cas, les camps sont wallés, donc il craint pas grand-chose. Mais pourquoi pas, effectivement, aller rendre les coups. Le problème, c'est que regardez, hein, Kasvar qui repart dans ses bonnes vieilles habitudes aura trouvé un full wall. Est-ce qu'on peut trouver un angle d'attaque? Et j'ai l'impression que ça part sur un drush face castle, hein, accessoirement pour Kasvar. Celui-ci étant toujours à la chambre, il n'a pas cliqué encore son âge féodal, il prend ses serres. Et il a un or ou pas? Bien sûr, il a un or dans le bac. Ok, tout s'explique du coup. Et on partira du coup sur un drush face castle, ouais. À toutes. Et Zoupi l'a compris. Zoupi l'a compris et il n'entend pas du tout de cette oreille non plus. Il enverra 4 villageois forward, l'idée étant d'aller proposer, j'imagine, une tour. Et derrière, laisser place au Manhattan. Cependant, Kasvar ici prend 0 risque une nouvelle fois. Regardez, double palissade wall. Est-ce qu'on encourage, nous, ce genre de play? Pas vraiment. Hein. On n'aime pas vraiment ça. Kasvar qui a l'information, j'imagine, maintenant de cette tour. Est-ce qu'il va décider de répondre par une tour? Le problème, c'est qu'il peut pas. Étant bloqué à la chambre. Il va falloir attendre au minimum de passer à l'âge féodal si on souhaite faire une tour en réponse. Ça demande beaucoup d'économie, cela étant dit. Hein. Ce double palissade wall là, avec les villageois qui travaillent pas, qui rewall sans cesse, ça demande beaucoup d'économie. En plus, on vient de se faire deny un camp de bûcheron. Elle est pas mal cette tour. Hein. En vrai, cette tour est très intéressante. Hein. Parce qu'elle prend le bois et j'imagine qu'avec un plus 1 attaque, elle ira même chercher les cueilleurs là-bas. Hein. Ouais, et du coup, la stratégie de Kasvar qui va devoir être revue. Et les doubles archeries me font bien penser que on change de plan du coup pour Kasvar là. Une question de temps maintenant, on va pouvoir pénétrer dans cette économie là pour Zoupi. Le problème est qu'on a trouvé un robot là. On a trouvé un wall, est-ce qu'on aurait pas un trou là? J'ai pas l'impression, non. J'ai pas l'impression. Ça a l'air ok. Et merci à Lolo. Merci beaucoup Lolo pour le resub. Oh, et on a fait une transition pierre, j'ai l'impression, là, pour le bon Zoupi. Ah, effectivement. On continue, SLT du coup. TOGN, je passe quasiment jamais, mais un gros merci d'upload tous ces super games sur YouTube. GG à toi. Merci beaucoup, Lolo. Ouais, la tour qui est deny, on peut l'annuler, hein, c'est pas très très grave. On peut l'annuler et en reproposer une autre. Hein. Une tour qui viendrait d'ailleurs prendre, peut-être, hein, le seul or de Kasvar. Kasvar par contre peut répondre par une tour. Ah non, il a déjà répondu par une tour sur les baies. Oh, attention. Attention, cette tour elle est violente. Hein. On peut pas répondre, là, pour Kasvar c'est absolument impossible. Et sans or, il est évident. Oh, par contre, ça c'est très bien joué. Ça c'est très 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 bien joué. D'avoir su profiter de ce timing là, de la part de Kasvar. On arrive, on passe tour avec deux maisons et derrière on va pouvoir aller chercher cette tour éventuellement en la fightant. Très 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 bien joué là de la part de Kasvar. Indéniablement. Ok, la tour pop. On prend le contrôle donc de l'or. Plus un attaque aurait été cliqué pour Kasvar sur ses archers. La tour qui finira par tomber, c'est très très bien. On récupère du coup aussi une partie des baies. Et aussi éventuellement cette forêt accessoirement. Éventuellement on peut reprendre cette heure. Voilà, c'est exactement ce que fait ici Kasvar. On a 15 bûcherons. On pourrait même peut-être faire une transition sur la pierre hein. Pour Kasvar ça serait pas forcément déconnant je pense. Elle est juste à côté de l'or hein, qui plus est. Je pense qu'à terme ça pourrait être sympa peut-être de partir sur quelques tours défensives. Et même avoir la possibilité de répondre face au trush de Zoupi qui pour le coup est pas forcément anéanti là hein. On continue d'avancer hein, doucement mais sûrement. Zozo le dogo, mais non. Apprécié de ouf. Merci beaucoup Zozo. C'est quoi les seeds là 8 et 9 je crois. Ou 7 et 8, un des deux. On est rentré, hein. On est rentré pour Zoupi et c'est pas forcément terminé. Kasvar ici qui pourrait peut-être avoir quelques problèmes à gérer dans un peu de temps. Ok, on fait une tour.
On fait une tour, à mon avis, qui vient justement proposer pardon, derrière un appui pour une autre tour un peu plus forward ici, peut-être. Maintenant, on a quand même une belle armée, on a aussi des Manhattans. On a peut-être pas besoin de la faire cette tour, à vrai dire. C'est discutable. Sans déo pour le quatrième mois, merci beaucoup. Merci, merci. On continue de trusher. Kasva, qui ne prend toujours pas de pierre, il peut le payer très cher. Par contre, il y a un move proposé par Kasva dans l'économie en contre-attaque. Cependant, tout a été déjà décampé, on peut le voir, hein, les baies ont été terminées. Et on a une riprod de tirailleurs sur la colline. Donc en vrai, ici, Zoupi, encore une fois, très bien. Il faut prendre de la pierre, je pense, pour Kasva. Hein. Je vois pas comment tu peux répondre à un trush en pierre. Ça me paraît quand même assez délicat. Plus 1 de défense. Cliquez côté Zoupi, on a maintenant plus 1. Là où chez Kasva, on n'aura que le plus 1 d'attaque. Une fight à l'avantage de Kasva, bien évidemment. Beaucoup de tirailleurs dans la compo. Et on continue hein, ce trush de l'espace qui continue d'avancer de plus en plus. Il faut essayer de garder de l'armée par contre, je pense. Au moins le temps que la tour pop. On a besoin de cette armée pour protéger les villageois. Après, c'est que des tirailleurs, hein, donc finalement ça fait pas tant de dégâts que ça aux villageois. Attention à ne pas s'empaler sur le forum pour Zoupi. Les archers qui étaient partis contre-attaquer maintenant, où sont-ils? Pour le bon Kasva, c'est une bonne question. J'arrive pas à remettre la main dessus. Ouais, et là on a une grosse décision de la part de Kasva qui est du coup de prendre beaucoup de villageois. Pour justement arrêter ce troche une bonne fois pour toutes. Derrière le bois en bas. Ah oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Le troche est pas terminé, on peut le voir. Hein. On continue de grappiller quelques centimètres pour ce bon Zoupi. Qui a l'air de vouloir profiter d'un timing peut-être. Non, il a décidé d'annuler cette tour. Soit il l'a annulé, soit il... Ah, il l'a pas annulé, hein, parce qu'il a pas récupéré tant de pierres que ça. J'ai l'impression que la tour a été délaite par Kasva. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal du tout. Cette tour qui pop, elle est pas mal aussi pour Zoupi, accessoirement. On retourne faire un move. Pendant ce temps-là, on reprend le contrôle de l'or de Zoupi. Pas mal. Ce qui est proposé ici par Kasva, on rend les coups, on se montre actif. On n'est pas exclusivement sur la défensive. Kasva qui, pour le coup, est devant au score, hein, pendant tout ce temps. Et on va y venir à bout de cette tour. On va y venir à bout et le problème étant que on a plus tant de villageois que ça. On a 3 villageois forward maintenant pour Zoupi. Il va falloir faire attention à ne pas se faire clean ces villageois justement. On aurait presque pu proposer un trap ici pour Kasva. Il va y laisser cette deuxième péone. C'est bien joué. Par contre, le problème c'est qu'on s'endort un petit peu ici, c'est malheureux. ...47 villageois contre 46. Pour le moment, aucun des deux joueurs a cliqué bourré. Donc, un villageois seulement d'avance pour Kasva. Une nouvelle fois, on propose une tour. Et un marché également qui sera proposé pour Zoupi. Est-ce qu'on peut aller chercher un âge des châteaux ici en jouant avec le market? Ouais, ça me paraît délicat. Hein. Est-ce qu'on a envie de vendre l'extra pierre? Je sais pas. En vrai de vrai, est-ce qu'on a envie de vendre cette pierre pour Zoupi? Je pense pas. Hein. Voilà, déjà on veut proposer une tour sur l'or, bien évidemment, puisque c'est un spot très vulnérable. Mais du coup, on a plus de pierre à vendre, puisqu'on fait aussi une pierre ici. Par contre, on met un peu d'action ici, ça c'est pas mal. Ah, Kasva, il va le trouver par contre, on castle age. 21 fermiers, 8 mineurs d'or. C'est quoi? C'est une question d'une bonne minute, même pas. Ouais, la tour qui a popé. C'est une affaire. Et j'ai l'impression qu'on a cliqué château là. J'ai l'impression qu'on a cliqué château chez Kasva. Ah, effectivement, c'est cliqué. Mais c'est cliqué également chez Zoupi. Avec une économie quasiment identique au final entre les deux joueurs. C'est très serré, les amis. Hein. C'est très, très, très serré. Oh, et on va partir visiblement sur du guerrier aigle. Hein. On a une économie qui est très, très, très bonne justement pour partir sur ce play. 15 mineurs à l'or, 20 fermiers. On va pouvoir éventuellement aussi cliquer des upgrades. C'est ce qu'il fait. Plus 1 de défense. Du côté du bon Kasva. Ça peut être très 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 fort. Hein. Ça va déjà permettre de clean les tirailleurs. Ça c'est une certitude.
Et derrière, peut-être aussi rentrer du coup dans un match-up. J'allais dire CA contre Eagle, mais non. Ça a l'air d'être des Knights. Que Zoupi va nous proposer sur l'âge des châteaux. Bloodline cliqué chez Zoupi. On a également le plus simple défense qui devrait être cliqué, je pense, à terme en tout cas. Je trouve ça intéressant cette décision de partir sur Eagle, mais je pense qu'elle n'est pas non plus due qu'au tirailleur. Je pense qu'ici il fait Eagle parce que souvent quand tu joues contre quelqu'un qui te trush, tu sais qu'à terme le gars qui te trush, et encore plus si tu arrives à lui répondre correctement, il sera obligé de faire des tours défensifs dans son économie pour pallier à son retard en fait. Et là il doit le savoir en fait, Kasbah, et je pense qu'il part sur Eagle parce que Archer du coup bah pourrait pas faire grand chose face à des tours. Alors que là les Eagles au contraire pourront éventuellement aller chercher ses péons au pied des tours. Donc ouais, une très très bonne décision je trouve que de faire cette transition Eagle. On a déjà vu plus d'une fois hein, le match-up CA Eagle Zoltan. Hein. Dès lors où t'as une masse, les CA c'est ok de ouf hein. Triple caserne en tout cas proposé par Kasbah. On aura aussi un monastère qui sera proposé. Et on va y laisser deux péons. Lucide ici Kasbah qui laisse aucune marge d'erreur à Zoupi. C'est puni instantanément. On a fait écuyer afin de faire en sorte que ces guerriers se déplacent plus rapidement. Ça pop dans moins de 3 secondes maintenant. Ça va permettre de clean aussi beaucoup plus facilement. On a que le plus simple défense hein, sur les Knights de Zoupi. Alors attention quand même parce que là maintenant on prend la colline. Et ça peut s'engager peut-être. Et c'est pour ça que Kasbah ici va décider de faire demi-tour. On aimerait peut-être avoir encore quelques upgrades là pour Kasbah. Un petit plus de défense, plus de d'attaque. Ce moine ici qui vient faire du bien. Bon, on sent la Zoupi qui se paye une belle brouette. Et il a aussi une très très belle économie. Hein. Regardez-moi ça, 26 fermiers, 10 mineurs à l'or. Ça manque peut-être d'un peu de mineurs. Mais en tout cas, c'est très propre. Sur la nourriture en tout cas. Et on tente un move. On tente un move qui pour le coup peut être très vite intercepté par Kasbah puisqu'il a intelligemment proposé ici un outpost. Kasbah qui dans cette game m'a l'air assez lucide. Hein. Les décisions sont plutôt intéressantes. Et là on commence à avoir une map sympa, une masse sympa pardon, on a même le plus de défense hein, pour Kasbah. Et c'est le problème de Zoupi, hein. Il va falloir qu'il y fasse attention à ça. Hein. On peut pas réellement se permettre de laisser une Sieve Meso comme ça masser les guerriers impunément. Alors lui est sur 3 écuries également, donc il masse au même titre les Knights. Sauf qu'à terme il peut y avoir un combo très 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 embêtant. Qui serait le combo du coup Piki, puisqu'on peut le voir, Piki vient d'être développé. Je pense que là Zoupi il est en train de faire une erreur si vous voulez mon avis. Il est pourtant devant en score mais... Je pense que laisser ce combo se mettre en place c'est une erreur. Ça manque peut-être un peu d'agressivité. Si maison américaine poubellier. On a maintenant 4 moines. 4 moines qui peuvent mettre Kasbah en confiance. Puisque si une fight venait à être engagée, on pourrait se payer 2-3 conversions ici et là. Quel est le contre à ce combo? Scorpion. Ouais, Scorpion pourrait être pas mal là. Hein. Scorpion pourrait être pas mal. Et du coup là on va peut-être pouvoir prélever quelques péons là. La tour en tout cas est menacée. Est-ce qu'on veut l'engager cette fight? On a le plus 2 d'attaque ou pas sur l'infanterie? Oui, on a le plus 2 d'attaque. Et on a surtout une très très belle armée aussi dans le bac. Ça va commencer à être compliqué. Kasbah qui repasse devant au score. Tabish.
On commence à prendre quelques kills de péons ici et là. Petite avance économique hein, pour Kazma, pour Zoupi, pardon, mais rien de très inquiétant pour le moment. On a les trois forums. Hein. On a les trois forums. Qu'est-ce que ça raconte d'ailleurs à ce sujet? On a un, deux forums pour Kazva. Et pour le moment, ça sera deux forums. Il y a un lion qui a tué un knight, vraiment? Incroyable, j'ai pas vu. Et attends, je proposais. Ok, qui lance donc ainsi. Qu'est-ce qu'on fait du coup contre... Qu'est-ce qu'on fait comme push quand ça joue knight en face? Je pense qu'il faut faire bélier là. Il faut faire bélier pour Kazva. En plus, l'avantage de faire bélier, c'est qu'on peut foutre l'infanterie dedans. Ça augmentera le dégât des béliers. Et ça les rendra plus rapides également. Je pense que c'est ok de faire sur bélier ici. Hein. Ouais. Et là, on a un Zoupi qui se retrouve un peu comme un couillon. Puisqu'il y a une armée de piquets en face qui rend son armée de knights un petit peu inutile. Je pense que là, il faut... Voilà, transition archerie, bien évidemment. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait... On fait tirailleur, est-ce qu'on fait archer de cavalerie? Je pense qu'il faut faire archer de cavalerie là. Pour la mobilité notamment. Le haras qui est proposé ici par le bon Kazva. Un haras qui porte ses fruits puisqu'on prend des villageois pour le coup. On essaie de rendre la monnaie de sa pièce pour Zoupi. On prend, je vais dire un villageois, mais non, pour le moment ça tombe pas. La télésèche qui a enfin commencé. Et effectivement ça partira sur archer de cavalerie. Un excellent combo hein. Sur le papier c'est un combo excellent. Maintenant il faut réussir à le mettre en place. On a très exactement 24 knights et 6 archers de cavalerie. Côté Zoupi, on a aussi le plus 2 d'attaque sur les archers de cavalerie. On a ligne 200 qui s'applique bien sûr aux archers de cavalerie. Et à terme peut-être université. En tout cas la macro chez les deux joueurs est très bonne. Et regardez Kazva hein, qui doucement mais sûrement pourrait peut-être trouver un âge impérial hein. Est-ce qu'on veut le cliquer l'âge impérial? C'est ça la vraie question à vrai dire. J'ai l'impression que oui hein. J'ai l'impression qu'il veut cliquer l'impérial. Ouais il va le cliquer, c'est certain. Le truc c'est que... C'est que ouais. Là il produit pas d'armée j'ai l'impression, mais il va falloir en reproduire hein. On se fait clean là, hein. Il va falloir en reproduire pour Kazva. Autrement on se fait GG hein. Derrière on se fait GG, et j'ai l'impression qu'il l'a compris. Il a refait des péons, il a refait des garègles. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est posé la question l'espace d'un temps là. Est-ce que je fais de l'armée, est-ce que je clique, est-ce que je fais de l'armée, est-ce que je clique. Il a pris la fight, il l'a perdu, et du coup il a refait de l'armée. Et là c'est une tendance qui s'inverse du coup. Puisque c'est que maintenant Zoupi qui a l'avantage sur le militaire. Je pense que là il fallait spammer pour Kazva. Rajouter des casernes et peut-être partir sur un méga spam de garègles piqué. Avec un château défensif du coup qui va être proposé. Pas dit que ce château puisse popper Kazva. Attention, on a peut-être un peu gridé là à côté de la Turquie. Ok, le château popera. Château popera a priori puisque l'armée ici temporise un petit peu l'action. On aura pris une conversion. Un château qui va nous coûter quelques péons, mais a priori c'est bel et bien un château qui popera. 19 d'armée contre 30, 80 villageois contre 95, 96 de pop contre 123. Et on rajoute enfin des casernes supplémentaires. C'est dommage hein, ça là, c'est ce qu'il fallait faire peut-être 5 minutes plus tôt. Ça aurait, je pense, permis de continuer de mettre la pression en continu et de peut-être gagner cette fight, ou en tout cas de la trade de manière beaucoup plus intéressante. Après, on a toujours une bonne économie chez Kazva. On peut continuer de proposer de l'armée. Également qui propose une transition sur la pierre. Est-ce que à terme on aurait envie de proposer un château offensif? Parce que le truc c'est qu'un château défensif ça serait tentant quand on voit à quel point l'économie de Zoupi est vulnérable. Mais un petit château sur cette colline par exemple le serait aussi hein. Ou même ici par exemple. Bac de pouce qui va être piqué chez Zoupi. Pendant que Kazva ici nous proposera un deuxième château défensif.
Là où Kasba était à deux doigts de cliquer à Impérial tout à l'heure, on peut voir que là, il en est très très loin à présent. Tout a été réinjecté dans une nouvelle armée. 30 unités contre 40. Ça va être l'avantage de la compo de Zoupi, hein, c'est cette fameuse mobilité avec laquelle il va pouvoir justement jouer pour tout simplement dodge les fights et les réengager éventuellement quand des timings comme celui-ci s'offrent à lui. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être envie d'aller harass un petit peu là? On fait quelques plumes pour Kasva, on en a fait deux en tout cas, dans quel but je ne sais pas. Ah, c'est compliqué hein, parce qu'en plus de ça, Zoupi vient de trouver son impérial hein, et il vient de trouver aussi son château sur cette colline. Aïe 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 aïe. J'ai l'impression qu'on a loupé le coche là. Hein. J'ai l'impression qu'on a loupé le coche les amis. Light cave également qui va être cliqué. On peut le deny ce château? Non, a priori je ne pense pas. Quoique. Quoique les amis, quoique. Ça peut se deny ça ou pas? Oh oui, j'ai l'impression que ça peut se deny hein. Oh là là, et Zoupi ici qui donne une tonne. Attention Zoupi. Attention mon bon Zoupi. Oh boy. Est-ce qu'on... Pfff, Kasva qui repasse devant un score, voyez-vous ça? On arrive quand même à garder 50 d'armée contre 33. Oh là 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 là, attention, attention, attention à un retournement de situation absolument incroyable peut-être. Le château est bel et bien mis en stand-by hein. On est très loin de l'âge de l'impérial encore hein, pour... il spam, hein, ça y est, il le sait, Kasva. Il le sait, il faut essayer de... de déborder l'adversaire à présent. Et ça sera pas à travers l'âge impérial qu'on le fera, mais bel et bien à travers de l'armée. Au travers de l'armée, donc ouais. Continuons de spammer, c'est ce qui se dit le bon Kasva, et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Et s'il est attentif au score, il serait peut-être en train de se dire aussi que Zoupi a peut-être cliqué. Et qu'il aurait d'autant plus intérêt à clean de l'armée là. On en fout partout en tout cas, c'est décidé. On prendra la fight sous le forum. Ouais, difficile de savoir qui a l'avantage dans tout ce bordel. Après il y a le forum qui vient aider aussi à prendre la fight au mieux pour Zoupi. Mais attention tout de même hein. En vrai c'est ok, quand on sait que Zoupi va EP d'une seconde à l'autre, je pense qu'on est ok pour prendre cette fight là dans la peau de Kasva. Maintenant le problème c'est qu'est-ce qu'on fait. ...92 villageois contre 112. On va à tout prix gérer ce château. Mais attention à pas trop perdre de temps non plus. Je pense qu'il faudrait essayer de penser à faire un petit peu de harass quand même dans l'économie. On peut le voir, il y a énormément de villageois à aller chercher ici pour Kasva. C'est dommage de pas avoir cette petite lucidité là. On a le plus 3 d'attaque. C'est pour le moment la seule chose que l'impérial va apporter à Zoupi. Puisqu'il a pas forcément l'économie pour aller chercher autre chose. En tout cas pour le moment, il pourrait peut-être jouer avec le marché si l'envie lui en prenait. Mais j'imagine que là on veut surtout assurer une bonne reprod. On peut le voir, hein, on rajoute des archeries supplémentaires. Et on commence à se faire clean quand même pas mal d'armées là pour Kasva. Qui cliquera son impérial également. Mais à quel prix? Il va falloir défendre pendant tout ce temps, ça va pas être une mince affaire. Hein. Ça va pas être une mince affaire du tout. Cela étant dit, on a pas mal de châteaux défensifs. On a pas mal de châteaux défensifs. Est-ce que ça peut suffire à Kasva pour tenir? On a... Ouais, on a un château sur chaque spot, entre guillemets, vulnérable. Peut-être sauf ici, attention quand même. On va cliquer aussi Charrette à bras et le château de Zoupi qui va finir par popper. C'est un château qui va pas forcément deny de spot important, mais derrière, on peut sortir trébucher et commencer à pêcher justement les châteaux de Kasva. Tactic part qui va être développé également. Ouais, il l'a senti venir Kasva. On a décampé du coup cette forêt. Chimie, plus de défense. Cliquez chez Zoupi également. On commence à avoir une tonne. Est-ce qu'on veut push trébucher ou est-ce qu'on veut push bélier? Je pense qu'ici on veut push trébucher contre une Sivmezo comme ça qui fait des eagles. On va aller voir ce qui se passe dans le château de Zoupi. Et c'est effectivement des trébuchés. En plus, on va pouvoir pusher sur une petite colline intéressante.
ça va être dur à stopper ça. Hein. Ça va être dur à stopper. Hein. Chercher l'armée sur la colline et sur le château, là en plus, ça va être très 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 compliqué pour Kasbah. Qui malheureusement, en plus de ça, se fait priver de son or. Toujours un petit peu délicat. Zoupi qui prend tous les extra minerais de la map. Très 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 intéressant, en tout cas au niveau de la pierre, il en prend beaucoup. Il a de quoi refaire des châteaux dès lors où il récupère un petit peu de contrôle map. On pourrait imaginer qu'à terme, un château de Zoupi près ici par exemple. Un 13 villageois contre 126, Kasbah qui arrivera enfin à l'âge impérial. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant de cet âge impérial? On va cliquer le plus 3 de défense. Pour le moment on peut pas forcément cliquer guerrier avec d'élite. Ça coûte une blinde ça aussi hein. Merci à Aloïs pour le prime. Merci beaucoup Aloïs. Guerrier avec d'élite est cliqué. Ouais, on va y laisser le château. Et du coup, peut-être aller tenter un ultime move là pour Kasbah. En se disant, si j'arrive à prendre une trentaine de villageois dans l'économie, ça peut peut-être retourner la game. Mais bon, c'est vu hein, par Zoupi, il le sait. J'ai l'impression en tout cas. C'est à lourd, ouais, c'est un budget. Hein. C'est à lourd, c'est 900 de nourriture et 600 d'or, je crois. Ou l'inverse, un des deux. Ça coûte très très cher. Je crois que c'est ouais, 900 et 600. Ouais, château défensif du coup proposé en précipitation là pour Zoupi. Qui va certainement y laisser 2-3 villageois. Mais c'est un château qui devrait certainement popper j'imagine. Ou en tout cas on perd des villes. Oh là là oui. Ok un move intéressant. Un move intéressant, c'est une véritable hécatombe. 100 villageois maintenant contre 90. Ok, ok Kasbah. On a bien compris que tu voulais tuer des villageois. On l'a bien compris. Cependant attention, il y a quand même 77 d'armée hein, dans le camp de Zoupi. Ce château a coûté une tonne en termes d'économie. Kasbah qui continue de prendre du contrôle map, en tout cas au niveau des minerais grâce à ce nouveau château. Oh là là, le petit prélèvement des 3 trébuchets là, il serait goldé hein. Il le sert, oh il les a vus. Oh il les a vus et Zoupi l'a vu. Zoupi a vu que Kasbah l'avait vu. Sauf que c'est terminé. On peut dire au revoir je pense à ces 3 trébuchets. C'est une bonne chose. On va peut-être pouvoir engager cette faille sur la colline là pour le bon Kasbah. En tout cas, ça aurait pu s'engager. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Les trébuchets qui se seront fait gérer du coup. On est en train de faire Eldorado. Côté Kasbah, Eldorado hein, qui passe les guerriers aigles de 60 à 100 PV. Une technologie très 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 importante. On a 41 mineurs alors hein, pour Kasbah. Donc on peut continuer de produire des guerriers aigles. On peut toujours proposer une bonne reprod militaire hein, pour Kasbah. Hein. C'est peut-être pas forcément terminé, les amis. Hein. Permettez-moi d'en douter. Hein. Après, on est quand même 200 de pop. On est capé à 200 de pop chez Zoupi. Et ça, mine de rien, c'est quand même un indicateur assez important. Surtout qu'on s'est payé USA hein, pendant ce temps-là. Donc, mine de rien, il va lui manquer archer de cavalerie lourde et on aura la totale hein, pour Zoupi. Mais par contre, plus d'or. Absolument plus aucun mineur d'or pour Zoupi. Quel est relique stop léogène? On va aller voir ça. On va aller voir ça. On a 2 reliques pour Kasbah et 1 relique pour Zoupi. On va venir récupérer cet or là. Kasbah qui va pouvoir peut-être arrasser un petit peu du coup avec ses quelques piquets. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour Kasbah, c'est la question. On a 55 d'armée, dont 46 guerriers aigles. Ils sont là d'ailleurs. Hein. C'est une très très belle armée, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on décide de l'engager contre l'armée de Zoupi? Est-ce qu'on l'envoie une nouvelle fois dans l'économie? Je pense que quand même, au bout d'un moment, il va falloir basculer sur de la trash. Hein. Il va falloir basculer sur de la trash. On est passé de 40 mineurs à 8 pour le bon Kasbah. Et autant vous dire que sans or, il pourra pas tenir tête à Zoupi. Hein. Tant qu'il a de l'or, c'est ok. Mais dès lors où l'or n'est plus récolté, ça me paraît quand même être assez problématique. Ouais, quelques tirailleurs d'élite pourraient être les bienvenus. Hein. Ça permettrait de trader plus facilement contre les archers de cavalerie. Surtout que les tirailleurs Maya, avec la nouvelle technologie là,
Les rend quand même assez intéressants sur le papier. Ok, on fait du haras, on continue de reprendre des villageois. 100 villageois contre 108 à présent. Mais toujours une armée très conséquente pour le bon Zoupi. Pendant que King vient de resub, merci King. Ok, on vient d'enlever deux reliques à Zoupi. La fight qui va être engagée. On donne beaucoup pour peut-être gérer ses hussards. Et c'est là le problème, hein. C'est que Kasva, lui, il sacrifie des unités qui coûtent de l'or pour tout simplement gérer des hussards. Et c'est là le problème en fait de cette fight. Il faut de la trash unit là côté côté Kasva. Hein. Je pense qu'il a pas le choix. Et effectivement, les piquets peuvent être une bonne réponse. On a Albardier avec les Mayas, hein, pour ceux qui se posent la question. Le fait est qu'on ne peut pas pour le moment se le payer. Quoique, il lui manquerait 300 de nourriture. Hein. C'est 300 de nourriture et 600 d'or, Albardier. Donc à tout moment, pourquoi pas Noxious Flow qui vient de recevoir. Merci beaucoup. Albardier, ouais, pourrait être une réponse intéressante. Ça se fait gérer bien évidemment par archer de cavalerie, mais ça demande du coup beaucoup de micro pour Zoupi, parce que si les Albardiers touchent au contact, et c'est cliqué, je pense que c'est ok. Est-ce que ça le fait? Ouais, 200 de pop des deux côtés maintenant, la game est peut-être relancée un petit peu, hein. Je regarde du coup, non, il a pas repris ses reliques, Zoupi, attention de ne pas oublier ses reliques, hein. Et le move proposé ici par Kasva, une bonne cinquantaine de guerriers aigles qui se retrouvent ici dans une économie qui pourrait être amené à prélever énormément de villageois. Hein. 115 villageois au moment des hostilités. On crée de l'idle. Et Kasva le sait. Kasva le sait qu'il y a un or ici. Hors de question de laisser Zoupi récupérer de l'or. Évidemment. Et du coup, on s'y dirige avec quelques guerriers aigles. Zoupi qui récupère ses reliques au passage. Ouais, et ça, c'est un château qui pourrait tomber, hein. C'est un château qui pourrait tomber, et au même titre que ces villageois dans la foulée qui eux aussi vont connaître un triste sort. Oh là là, le château proposé par Zoupi. Si Kasva le voit, les amis, il va certainement décider de brocher cette fondation. Ouais, d'ailleurs, on y met beaucoup de villageois. On veut à tout prix ce château pop pour Zoupi, on en a besoin. Extrêmement serré, les amis, au score. Hein. 13 000 pour 13 900. 180 de pop des deux côtés. Ah, les Albardiers ont fait du bien. C'est clairement ce qui manquait, je pense, dans la compo. En parallèle, on peut le voir, ça continue de haras. 99 villageois maintenant pour Zoupi. Est-ce qu'on s'essoufflerait pas un petit peu côté Finlande là? C'est pas mal en tout cas ce qui est proposé par Zoupi. Hein. Belle tenacité. Et elle est là justement, cette fameuse transition tirailleur pour les Mayas justement. Elle est là, cette technologie qui remplace flèche obsidienne. Qui fait en sorte que les tirailleurs tirent maintenant deux flèches au lieu d'une. C'est une belle game, les amis. Hein. C'est une très 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 belle game. Et un beau BO même, j'aurais tendance à dire. Grosse masse d'archers de cavalerie proposée ici. Est-ce qu'on veut l'engager cette fight? En vrai, on pourrait, mais évidemment que Zoupi n'entend pas de cette oreille. Le hit and run du coup sera proposé. Beijing, 70 d'armée contre 83. On va tenter un petit move, visiblement. Oh là là. Zoupi qui a laissé passer un trébuchet ni vu ni connu. Effectivement, il y a un petit peu de haras à proposer là. On n'a pas balistique, malheureusement, chez Kasva. Mais vu qu'il fait tirailleur à terme, on pourrait peut-être supposer qu'il va cliquer balistique. Balistique, ça peut être pas mal, justement, pour punir ce move-là avec les châteaux et les forums. En tout cas, réaction assez rapide, là, de la part de Kasva, qui va cliquer bac de pouce en parallèle. Pendant ce temps-là, regardez-moi la mini-map, hein. Deux masses. Une rouge et une bleue. Qui se regardent depuis un petit moment, maintenant, au milieu de la map. Attention à pas trop donner quand même. Attention à pas trop donner pour Kasva. Gardons un maximum d'eagle. Peut être très important pour la suite des événements. Encore une fois, un petit bordel là, infligé dans l'économie. Kasva qui lui aussi perd des péons à son tour. Maintenant en dessous de 100 villageois. Attention, hein, on a besoin d'économie. Surtout dans un moment où on est en train de préparer une transition. C'est pas forcément le meilleur des moments pour perdre des villageois. Ah,
l'or ici qui vient d'être récolté. Au final, Zoupi qui continue de récolter celui-ci. On a arrêté de haras. Attention, je pense qu'il serait intéressant de continuer de haras, et même avec des albardiers. Hein. Le haras albardier, ça peut faire l'affaire, je pense. Hein. On a des albardiers d'ailleurs dans l'économie maintenant. On a réussi à gérer cette vague du sar là. Mais mine de rien, ça a fait un travail intéressant pour Zoupi, puisque Kasva ici descend à 162 pop. Hein. Plus 3 d'attaque. Oh là là, on perd des péons aussi chez Zoupi. Plus 3 d'attaque cliquée chez Kasva au niveau des tirailleurs. On va peut-être enfin pouvoir la proposer, cette transition là, depuis qu'on attend depuis un moment. Manquera chimie également aussi. Mais balistique avant toute chose, je pense. Hein. C'est surtout balistique dont on a besoin là. Est-ce qu'on a une université chez Kasva? Allons voir ça. Non, on n'a pas d'université chez Kasva. Il a la technique pour les tirailleurs, effectivement, Rockafly. On l'a vu juste avant, là, il l'a cliqué il y a genre 2-3 minutes. Et le problème, c'est que là, on perd de l'armée. 36 d'armée contre 71. Oh là là, ça y est, le tournant. Le tournant de la game, les amis. J'ai l'impression qu'on a beaucoup donné dans l'économie, sans pour autant prendre un réel avantage. Et du coup, ouais, peut-être le revers de la médaille maintenant pour Kasva, là. Ouais, ça va call. 125 de pop, ça a chuté d'un coup, là. Ça y est, c'est terminé. Je pense que c'est terminé, les amis. On va encore une fois donner un petit peu de sa personne. Quoique non, c'est terminé. Kasva l'a compris. Belle game, messieurs. Merci pour le divertissement, c'était très agréable. Et Zoupi qui marquera du coup 2 points dans cette rencontre. Très 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 intéressante cette game sur Arabia. J'ai bien aimé, hein. C'était pas mal. On va aller voir les stats. Ouais, gros ratio. Hein. Gros ratio. Et c'est vrai que très souvent, Zoupi aura pris des bonnes fights. La plupart du temps. Ouais. Zoupi prend une belle option sur la qualif. Ouais, 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 bien sûr. Bah, on l'a dit, de toute façon, pool numéro 1, il y a 3 prétendants au main event. Hein, pour seulement 2 places. C'est Zoupi, Sito et Kasva. Et ici, Zoupi, il s'impose face à ce qui est potentiellement un vrai challenger. Donc, belle opération pour Zoupi. Il va falloir que Kasva, par contre, ait gratté le plus de points possible à présent. Typiquement, on va aller regarder d'ailleurs un peu ce qui se passe sur Tournament, pardon. Mais typiquement, Kasva contre Margou, faut que ça soit du 3-0. Ce match-là, pour moi, détermine la première ou la deuxième place, car je vois pas si Sito choke. Ah ouais, je suis d'accord. Ça pourrait en tout cas avoir du sens. Alors, attendez, je vais aller voir un peu le lien tournament, là. Oh là là, le jeu qui lag. C'est qui, site 2 et 3 Site numéro 2 et 3, c'est Project Belgium et LAN, si je ne dis pas de bêtises. Merci Bouillon Cube pour le 5e mois. Merci beaucoup. Sympa les BO en tout cas là depuis quelques jours. Hein. Sympa comme tout. Hein. Oui oui, on va commenter encore un match Edulgar là, voire même deux matchs. Voire même deux matchs, pardon. J'en perds mon latin. Du coup. Kasva et Zoupi hein, au coude à coude. Hein. Regardez. Très serré en poule numéro 1 là. Kasva et Zoupi qui sont tous les deux à 5 points. C'est une bonne opération. Reste à voir maintenant ce que Zoupi est capable de faire contre Marine Lord. On le rappelle, Kasva s'était imposé 2 à 1 contre Marine Lord. Donc s'il fait au minimum aussi bien, Zoupi contre M-Lord, Zoupi repasse devant.
Et nos deux Frenchies qui, pour le moment, n'ont pas joué un seul match. Hein. Mais ça ne serait tardé. C'est en train de se planifier, j'ai vu sur le Discord, là. Et du coup, on va aller voir quoi, là, maintenant. Laissez-moi regarder ça. Tu as un bug avec le son, non? Non. Kellar aussi, ouais, j'avoue, putain, Kellar aussi, ouais. Eh bien écoutez, le hasard est très bien fait puisque là à présent on va commenter M-Lord contre Zoupi justement. M-Lord contre Zoupi. Tu joues après? Non, je ne pense pas jouer ce soir Eldaron. Il y a beaucoup de matchs à commenter là, j'ai engendré un petit peu de retard avec ma petite absence des derniers jours. Donc on va essayer de rattraper ça parce que à la fin du mois il y a le main event. Hein, donc il faut absolument qu'on ait tout commenté avant le main event. Clément a battu là, non, effectivement. C'était d'ailleurs un très beau BO. C'est délibéré les trois Français dans la même poule. Bah non frérot, c'est le pur hasard. Hein. C'est la vie. Pas d'alerte pour les primes. Si, mais là il n'y en a pas eu. En l'occurrence, Bouillon Cube qui arrive il y a 2 minutes, c'était un prime et il y a eu l'alerte. Je vais dodo. Je remplirai le tout demain. Ça roule, poule verte. Bonne nuit, mon cher poule verte. Marine. Salut. Bon, les amis, on est bon. On va pouvoir se diriger tranquillement vers cette nouvelle rencontre. Le mien, pas grave. Mais parce que tu l'as pas validé, je pense, Balian. Genre, Baliano, pardon. Fais F5. Mais s'il est pas passé, c'est que tu l'as pas validé. À l'étranger, il y a quelle légitimité pour à l'Euro Rumble? C'est quoi que t'appelles légitimité à l'Euro Rumble? Précise ta question. Pff, voilà, changer la musique. À quel point c'est connu, reconnu? Tu sais, Edge of, c'est pas un jeu. On n'est pas un 10 milliards hein, sur le jeu, hein, ça reste un jeu de niche. Donc, dès qu'il y a des events comme ça, tous les joueurs compétitifs en ont la connaissance. Hein. Surtout qu'il y a eu un topic sur AOZone, qui est le forum le plus populaire sur Edge of. Et le topic a été vu, je crois, 8000 fois, donc si c'est pas 9000. Donc, j'ai envie de te dire que tout le monde est au courant de l'existence de ce tournoi. En tout cas, au niveau de la scène compétitive. Thank you, Anthony Papin. Bah Jordan était un peu dégoûté de pas pouvoir participer parce que en fait le truc c'est que Jordan au-delà de pas être éligible parce que il a atteint les 2400 de Elo, là où c'est cruel c'est qu'il a atteint les 2400 de Elo la veille de l'annonce de l'ouverture des inscriptions. Donc à un jour près il aurait pu en fait si nous on avait ouvert les inscriptions un jour plus tôt. Donc un petit peu déçu mais Jordan a accusé le coup, il a dit que c'était la vie tu vois. Donc ouais c'est la vie.